que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo bannie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sûr K-Faction, et oui les amis, vous êtes en train de vous dire en ce moment, oh my god, une vidéo K-Faction, et oui, si t'es content que je parle de K-Faction aujourd'hui, mets un pouce bleu, abonne-toi, mets la cloche pour tout savoir sur les prochaines vidéos de K-Faction parce que les prochaines vidéos qui arrivent, ça va être des vidéos K-Faction, donc voilà. Voilà les amis, je suis très heureux, on avance énormément sur K-Faction les amis en ce moment. Donc je suis sur le spawn de K-Faction, là, vous voyez en haut dans le coin les amis, c'est marqué Skill PvP. Mais en fait, effacez ça de vos yeux et imaginez que c'est marqué K-Faction, ok? Voilà. Donc en fait, vous êtes en train de vous dire, wow Tycoon, c'est pas le même spawn que tu nous as présenté la dernière fois. Et c'est vrai, c'est très vrai en fait, le spawn, même l'intérieur ici, c'est pas le spawn qu'il y aura sur le serveur. Tout l'intérieur du spawn va être refait parce qu'il me plaît pas. Mais pourquoi j'ai choisi de changer de spawn en fait, c'est que ce spawn là il est destiné à K-Faction Royale, un projet qui n'a jamais finalement abouti, et donc j'ai décidé de le prendre parce que la Warzone était beaucoup mieux, je trouve personnellement, pour PVP et tout. Donc comme vous voyez, elle est beaucoup plus courte mais beaucoup plus chiante à remonter. Donc la Warzone c'est quand même assez chiant à monter, donc je me suis dit ouais, c'est beaucoup mieux comme ça, et j'espère que cette décision là va vous faire plaisir. Donc aussi pour revenir au changement aussi, il y a beaucoup de trucs qui vont changer sur le serveur. Je vais vous en parler dans plusieurs autres vidéos. Donc, on va faire cette série. Ça va être une série de vidéos. Donc, annoncement. Pour aujourd'hui, ça va être une vidéo plus annoncement administratif, etc. On va parler de plusieurs choses par rapport à l'entreprise de K-Faction. Ensuite, on va parler dans une autre vidéo des nouveautés, des trucs comme ça, de la date de sortie, des choses plus importantes. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo fort question plus administrative slash entreprise. Parce que, comme vous le savez sûrement, les amis, il y a beaucoup de nouveautés qui s'est passé de côté là. Donc on va commencer directement par le premier point les amis, donc le rachat de K-Faction. Donc comme vous le saviez à l'époque, Noclus était le deuxième fondateur avec moi. Noclus a décidé de quitter, on va faire ça court les amis, a décidé de quitter et j'étais 100% propriétaire de K-Faction. Sauf que j'ai essayé de rouvrir le serveur tout seul après des mois d'essais, de fail, etc. J'arrivais pas les amis, niveau machine, développement, site web, ce genre de trucs, j'arrivais pas vraiment à gérer tout ça. Et j'avais beaucoup de pression sur mes épaules et je vais pas vous mentir les amis, la pression que vous me mettiez, c'était quand même assez difficile pour moi parce que je voulais vous proposer le meilleur serveur possible. Et malheureusement, j'ai pas été capable. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est que j'ai décidé de prendre de tout arrêter. Et quelques jours après que j'ai tout arrêté, en fait, j'ai reçu un message de une entreprise de jeux vidéo, donc SK Organisation, qui est les créateurs de Skill PvP d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est sur leur launcher. Ont décidé de me proposer de prendre la relève à la place de Noclus. Donc j'ai officiellement signé les papiers et fait le truc. J'ai vendu 50% des parts à SK Organisation. Mais, c'est important de savoir, mais les amis, ils n'ont aucun pouvoir dans le fond sur le serveur. Dans le fond, eux, ils vont développer le serveur, le launcher et tout ça. Mais ils n'auront pas de décision à prendre. Donc par exemple, je sais déjà qu'il y en a plein qui vont dire dans les commentaires, ouais, mais il y aura la même chose que Skill PvP, ça va être de la grosse merde, le staff va être de la merde comme sur Skill et tout. Non les amis, parce que tout ce qui est administratif et tout, c'est encore moi, Miss Icons, Blackbird et Volkin, qui sont désormais les trois admins. C'est les trois admins avec moi. Le côté administratif, c'est vraiment eux maintenant. Donc, je suis content d'annoncer que Volkin est devenu un administrateur. Le retour de Miss Icons et le retour de Blackbird. Ça fait toujours plaisir de revoir les trois ensemble. On est une bonne équipe. Je pense qu'on s'aime tous bien. Il n'y aura pas de chicane et tout. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, c'est encore moi qui va s'occuper des builds, de la construction, des nouveautés, de tout sur le serveur. C'est juste qu'eux, ils vont s'occuper. Par exemple, moi, je dis, je donne un exemple tout con, mais je dis, ouais, j'aimerais ça que cette semaine, on fasse une mise à jour à propos du PvP. Le PvP est un peu nul. J'aimerais ça qu'on rajoute quelques items pour PvP, et là ils vont me dire ok, qu'est-ce que tu veux, et là c'est moi qui va choisir. Par exemple, je veux item A, B, C, D, et là ben, eux ils vont les rajouter et ils vont tester tout ça, on va tester tout ça, et si c'est bon on va le mettre sur le serveur la semaine qui arrive, tu vois. Donc c'est toujours moi qui va prendre les plus grosses décisions, les trucs les plus durs, mais au moins du côté que de ce que moi je suis pas capable de faire, ce qui est machine développement et tout, maintenant j'ai du support là-dessus. Donc c'est plutôt intéressant, et vraiment un gros merci à eux de pouvoir m'aider à reprendre K-Faction. Donc oui, bien sûr j'ai reçu un montant d'argent pour qu'ils obtiennent les 50% des parts officiellement. Donc c'est sûr que j'ai reçu un montant d'argent, je vais pas disclose ce montant là, je pense que c'est privé entre moi et eux. Et puis je veux dire, si vous le savez le montant, vous êtes pas obligé de le dire à tout le monde quoi, c'est quelque chose qui est personnel mais qui est le mieux pour le futur de K-Faction. Donc voilà. Donc là maintenant le futur de K-Faction est plutôt illuminant parce que justement hier, donc hier le 30 octobre, pardonnez-moi, j'ai pu voir le début du launcher, j'ai pu voir beaucoup de trucs, on a commencé déjà à faire beaucoup de choses, le site est bientôt prêt, il y a plein de trucs qui ont avancé depuis leur reprise dans le fond de K-Faction, du développement et tout, ça a avancé énormément, en même pas un mois les amis, ils ont réussi à faire quasiment tout
quasiment tout, tout, tout. Il reste juste quelques petits trucs à faire, quelques ajustements, des trucs comme ça. Mais normalement, je vous dis bien normalement, avant Noël, avant Noël, le serveur devrait sortir. Donc, avant Noël, une promesse, les amis, si c'est pas sorti avant Noël, vous avez le droit de jamais vous connecter à Carvaxon le reste de sa vie. Donc, je vous le promets vraiment, avant Noël, c'est 100% sûr, les amis. Je vais faire tout mon possible pour que ce soit prêt avant Noël. Donc voilà, c'est pour ceux qui demandent c'est quand la date d'ouverture, etc. Je vous donne un approximatif, mais j'ai pas de date exacte. On va faire un trailer de toute faction, c'est dans nos plans. On va faire aussi, qu'est-ce qu'on appelle ça, de la publicité sur les chaînes YouTube, YouTube de beaucoup de YouTubeurs. D'ailleurs, j'ai contacté déjà beaucoup de YouTubeurs, mais si vous pensez que j'ai pas contacté votre YouTubeur favori, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de le contacter pour qu'il y ait de plus en plus de... Oh! Plus en plus de joueurs sur Carvaxon et des nouveaux joueurs, pourquoi pas. Et puis voilà. Donc, c'est la vidéo d'aujourd'hui, les amis. Je voulais vous parler de Carvaxon vite fait, de quelques petits trucs. Je sais que j'ai pas vraiment parlé beaucoup des nouveautés, des trucs qui vont arriver dans le futur. Mais le launcher, quand il va être complètement fini, pardonnez-moi, et que je pourrai jouer dessus, etc., je vais bien sûr vous faire une vidéo pour vous présenter les quelques nouveautés et, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, quoi. Bien ensuite, ce sera seulement les nouveautés, bien sûr, launcher, parce que vous me connaissez, j'aime bien faire ça, des petits spoilers. Donc, je vais faire une autre vidéo ensuite pour vous présenter les plugins, une autre vidéo pour vous présenter, expliquer les grades, des trucs comme ça, les systèmes spéciaux sur serveur, et puis voilà, présenter le site et ces trucs-là dans une autre vidéo à la fin, je sais pas. Mais je vais séparer ça en beaucoup de parties, donc voilà. Je vais juste commencer cette partie-là en vous parlant de Carvaxon, du rachat par SK Organisation. Maintenant, on est une entreprise Carvaxon, une entreprise légale, etc. Donc, voilà, c'est plutôt cool. Et puis, je vais terminer cette vidéo-là en vous souhaitant un joyeux Halloween. Et j'espère que vous allez vous déguiser et faire peur à tous les petits-enfants et leur voler tous leurs bonbons. Allez, salut!